Pour une promenade. Mais je vous conseille d'éviter des reliques trop, parce que là-bas, les augmentés ne sont pas les bienvenus. Un problème, monsieur? La ville est un peu plus calme depuis la dispersion de la manif anti-Amplib. Absolue avec des libérateurs. Toutes les spéculations sur la prise d'otage à Détroit ont été balayées par l'arrivée sur place de William Taggart, le célèbre psychologue et fondateur de l'organisation. Ouais. Vous voulez quoi? Un renseignement. Allez voir ça à l'accueil, le câblé, au lieu de venir me faire perdre mon temps. Pas ce genre de renseignement.
J'ai quelques questions sur l'affaire de Sarif Industries. Et moi je veux une pipe et une GT de 2005. Alors on va tous les deux continuer à rêver, hein, gueule de métal. Je sais que vous vous êtes occupé de pièces à conviction cruciales dans ce dossier. Je veux savoir lesquelles. Primo, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Deuxio, même si je savais quelque chose, je serais pas assez con pour aller tout déballer au premier venu. Alors déguerpissez avec votre look de grippe high-tech. Et allez voir ailleurs si j'y suis avant que je m'occupe de vous. De son désir sincère de se présenter devant l'Assemblée Générale avec David Sarif afin de chercher un compromis. Non, si cela devait se produire... Vous êtes sourd ou juste débile? Je vous ai dit de débarrasser le plancher. Vous êtes sourd ou juste débile? Je vous ai dit de débarrasser le plancher. À tout à l'heure. Ouais, ouais, ça va, j'arrive. Merde. Jensen? As. Je pensais pas te voir ici. Ouais, ben, c'est sûr que toi, apparemment, tu t'en es mieux sorti que moi. J'ai pas le temps pour tes jérémiades. Je dois entrer dans la morgue. Rien que ça? Pas question. Je sais pas ce qu'il a de si spécial, ce cadavre. Mais moi, j'ai reçu des ordres. Accès interdit. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu et tu te pointes ici pour me demander une faveur? Tu préfères que je te l'ordonne? T'as toujours été très doué pour obéir. Je t'emmerde. Tu me donnes des leçons de morale, maintenant? Tu crois que ça me plaît? Regarde-moi. J'étais chef d'une équipe du SWAT et maintenant je me retrouve à croupir dans un vieux bureau miteux. Garde tes reproches, j'ai déjà ma dose chez moi. Alors soit tu fais des efforts pour être un peu plus sympa que d'habitude, soit tu vas te faire foutre. C'est toi qui as besoin de moi. D'accord, tu as raison, désolé. Je m'attendais pas du tout à te voir, et je n'ai pas le temps de parler du passé. Je sais ce que tu risques, mais je dois absolument entrer dans cette morgue. Oh, merde, Jensen! C'est pas juste. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu me remets devant un choix impossible une fois de plus! Tu veux que je sacrifie mon boulot pour sauver les miches de ton patron? Mais si je perds mon job, c'est ma vie qui est en miettes! Mais ça, tu t'en fous pas mal, c'est ça? Oui, tu risques ton boulot. Oui, tu as payé cher pour ce qui s'est passé il y a 2 ans. Mais là, j'ai besoin de toi. Et c'est important. Je te promets qu'après tout ça, je m'occuperai de toi. Ben, ça serait pas mal. C'est ce jour-là que tout a commencé. J'ai tué ce môme. Mais il était mort avant que je tire. Il a voulu devenir une arme. Et avec ses augmentations, il nous aurait massacré les doigts dans le nez. C'est pour ça que tu t'es tiré. Tu pouvais pas le supporter. On fait tous des erreurs, Wayne. Personne ne te reproche rien. Tu dois le comprendre et te pardonner. Ou tu resteras bloqué là-dessus. Espèce de connard arrogant. T'arrives toujours pas à comprendre ce qui m'énerve, hein? Toi, t'es furieux à cause du môme? Eh ben moi, je suis furieux parce que c'est ta faute. T'as reçu l'ordre, t'as refusé et tu t'es barré. Alors je l'ai fait à ta place. Tu comprends mieux, là? J'ai pas eu le choix. Merde! Je voudrais juste oublier tout ça pour de bon. Wayne, c'était une sale situation. Tu n'as commis aucune faute. Adam, je... Merci. J'ai ouvert la porte, je dirais au gars de te laisser passer. Là, je... J'ai besoin de me retrouver un peu seul.
Jensen, non? J'ai entendu parler de vous. Ouais, vous étiez un sacré bon flic. Vous avez de la chance de ne plus être chez nous. Vous êtes sûr d'avoir le droit d'être ici, monsieur? Le commissariat est consigné. Sont liés au front pour l'humanité. Nos membres travaillent inlassablement à une solution pacifique pour régler notre désaccord. Je condamne fermement les méthodes de ces preneurs d'otages. Ceci étant précisé, j'espère que le nom s'intéressera à ce qui s'est passé ici ce soir. Monsieur Taggart a également fait part de son désir sincère de se présenter devant l'Assemblée Générale avec David Sarif afin de chercher un compromis. Si cela devait se produire, on peut se demander si le millionnaire Hugh Darrow, grâce à qui les technologies d'augmentation font désormais partie du nom de gens, serait aussi présent. Jusqu'ici, monsieur. Vous êtes sûr d'avoir le droit d'être ici, monsieur? Le commissariat est consigné. C'est pas trop tôt. C'est vous le gars de la sécurité intérieure que je devais attendre? Vous direz à Manderley que quand j'ai reçu le mémo, j'étais au beau milieu de l'autopsie. Il était trop tard pour le refermer. D'accord. Vous avez extrait le relais neural? Ça n'a pas été sans mal. Un centimètre plus bas et la balle aurait grillé plus que les connecteurs pédotes. Dans son état, je ne vous garantis pas que vous puissiez en tirer quelque chose. À part le fait qu'il a été modifié. Modifié? Comment? Une espèce de disque chimio-organique, mais je n'ai pas cherché plus loin. Il aurait fallu le passer aux ultraviolets et je sais que vous ne badinez pas avec les questions de sécurité nationale. Il est à vous. J'ai déconnecté le relais, mais je l'ai laissé dans le crâne, selon vos instructions. Maintenant, excusez-moi, je dois m'occuper de la paperasse.
Patron, j'ai le relais neural. On dirait qu'il a été modifié avec une sorte de disque chimio-organique. Pritchard devrait y jeter un coup d'œil. Non, ne l'apportez pas ici. Frank est encore en pleine vérification. Et je ne veux pas risquer de connecter quoi que ce soit sur notre réseau tant qu'il n'a pas fini. Surtout s'il s'agit d'une technologie militaire. Alors qu'est-ce que j'en fais ? Rentrez à votre appartement avec le relais. Frank vous contactera là-bas. Chez Sarif Industries. Quelques échauffourées violentes ont éclaté, mais qu'on ne déploie pas. En direct pour Bigus.
quotidien de millions de gens. Accès autorisé. L'organisation pro-humanité police a décidé de la disperser prématurément. Fait divers extrêmement regrettable. Je souhaite témoigner à... Rappelle-moi dans 2-3 jours, ok ? Que ces attaques ne sont en aucune façon liées au... Vous êtes sourd ou juste débile ? Je vous ai dit de débarrasser le plancher ! Tout en finesse. Un vrai poète. Dites-moi, c'est ça que vous comptez dire au juge qui vous inculpera pour parjure, détention et complicité de trafic de drogue? C'est quoi ces menaces à la con, le câblé? Ça va vous plaire. Un certain Blaine Lopez revend de la drogue près de City Airport. Une vraie raclure. Vous le connaissez? Parce que j'ai la transcription d'une petite discussion en ligne entre vous. Alors soit c'est la prison, soit vous me dites tout ce que je veux savoir. Et comment vous avez... Et puis merde! J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire! J'ai pas eu le choix! J'écoute. Ok, bon. Je me suis pointé un matin et j'avais un email où on me refilait un nouveau dossier. Un truc officiel. Mais avec des instructions spéciales. Je devais fouiller le labo pour trouver les vidéos d'Intellicam s'il y en avait. Dans ce cas, je devais les emporter et les déposer à côté d'une poubelle quelque part près du lac. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ah, c'était pas très clair. En gros, on voyait les gars qui ont attaqué Sarif Industries pénétrer dans les labos. On aurait dit qu'ils apportaient quelque chose, mais c'est impossible de dire quoi. Qui vous a demandé de faire ça? Vous croyez que je le sais? Chez nous, un ordre, c'est un ordre. Ça vient d'en haut et personne pose de questions. Vous obéissez pour surtout pas finir comme le secrétaire Haas, là-bas. En direct pour Picus. Vous avez ce que vous vouliez. Thank you.
fondateur de l'organisation anti-opportuniste. Accès autorisé. Demi-tour par des militants du Front pour l'Humanité. Une semaine, mais la police... Pour l'Humanité, nos membres travaillent inlassablement. Jensen, j'ai un message pour vous, d'une de vos anciennes collègues, l'inspectrice Alexander. Jenny ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle a dit qu'elle aurait besoin d'un coup de main si vous pouviez aller jusqu'à Grand River Road. J'ajoute que, même si je suis ravi de vous revoir parmi nous, je n'ai pas l'intention de devenir votre secrétaire personnel. Bon, allez, salut. Recevoir de Connaught Technology. Connaught? Afin de chercher un compromis. Si cela devait se produire, on peut se demander si le milieu ou grâce à qui les technologies d'augmentation font désormais des millions de gens seraient aussi présents. Jusqu'ici, Monsieur Darrow, refusez nos demandes répétées d'interview. En direct pour Picus.
secret. Pour chaque nouveau routine, m'indiquer le fermer immédiatement une fois l'appel terminé. Et ici, je suis seul avec Steve. Interactif en ligne. On capte le stream et on répond à vos questions du mieux qu'on peut. Et si on vous raccroche au nez, restez cool. Avec la moindre
J'espère que... ce soir... Monsieur Taggart fait part de son désir sincère de se présenter devant l'Assemblée Générale avec David Sarif afin de chercher un compromis. Si cela devait se produire, on peut se demander si le millionnaire Hugh Darrow, grâce à qui les technologies d'augmentation font désormais partie du quotidien de millions de gens... Rappelle-moi dans... Il est à noter que quelques échauffourées violentes ont éclaté. Si vous croisez des agitateurs de pureté absolue, prévenez-nous aussitôt. Nous voulons éviter tout désordre. Jamais tu bosses. Et fondateur de l'organisation anti-augmentation. Vous avez appris quelque chose ? Oh, je vous en prie. Je dois savoir ce qui est vraiment arrivé à Megan. J'ai suivi toutes les pistes de l'inspecteur Chase. Vous aviez raison. Il y avait quelque chose de bizarre dans l'affaire de Megan. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? J'ai pu consulter un rapport qui confirme les soupçons de Chase. Les assaillants ont employé des méthodes extrêmes pour qu'on ne puisse pas identifier les corps et l'équipement. Oh mon Dieu, Megan. Qu'est-ce que ça veut dire, Adam ? Je ne sais pas. J'imagine qu'ils voulaient effacer leurs traces, tout ADN qui permet de remonter jusqu'à eux. Mais cette explication est un peu trop simple à mon goût. On a demandé à un inspecteur affecté à cette affaire de détruire une pièce à conviction cruciale. Une vidéo de nos intellicams qui montrait des images floues des assaillants apportant quelque chose dans les labos. Quoi ?
Et qu'est-ce que c'était ? Je sais pas. Mais pour que quelqu'un de haut placé fasse détruire une pièce à conviction, ça devait être très important. Il n'y a que 3 personnes à être sorties vivantes des labos. Moi et 2 autres. L'une est morte à l'hôpital quelques jours plus tard. L'autre, un technicien du labo, était d'accord pour donner une description précise de ce qu'il avait vu. Mais bizarrement, quand les inspecteurs l'ont interrogé, il se souvenait plus de rien. Vous dites ça comme si vous n'y croyez pas. C'est exact. Pas après avoir lu les rapports. Je pense que quelqu'un lui avait parlé entre-temps. Quelqu'un du gouvernement, un certain Manderley, a ordonné qu'un médecin légiste spécialement nommé pour l'occasion se charge des autopsies. Il a court-circuité le médecin habituel. C'est mauvais signe. C'est sûr que ça a l'air étrange. Donc, pour vous résumer, vous n'avez rien trouvé de très concluant. Non, désolé. Mais une chose est sûre. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler ou pour détruire des éléments de ce dossier. Quelqu'un de puissant, qui voulait effacer systématiquement tout ce qui pouvait retarder le classement de l'affaire. Désolé, Cassandra. J'aurais préféré avoir des éléments plus concrets à vous donner. En revanche, j'ai retrouvé quelque chose qui vous revient. Le bracelet de Megan. Elle aurait voulu que vous le gardiez, j'en suis sûr. Oh, Adam. C'est si gentil de votre part. Sa grand-mère le lui avait donné, elle y tenait beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et vous savez comment Megan est morte exactement ? J'ai lu les rapports. Elle n'a pas souffert, Cassandra. Je vous le promets. Merci, Adam. Ça n'efface rien, mais ça me console un peu quand même. Elle me manque tant. Ne vous en faites pas, Cassandra. Ce n'est pas fini. Je ne sais pas quand ou comment, mais j'aurai le fin mot de l'histoire. Je savais que je pouvais compter sur vous, Adam. Mais soyez prudent. C'est étrange. Je pensais que de savoir ce qui s'était réellement passé m'apaiserait. Mais ça n'y change rien. Ma fille est morte, et je ne la reverrai jamais. Si au moins j'étais sûre que ces meurtriers soient punis. Croyez-moi, ils le seront. Merci, Adam. Peut-être craint ce qui aurait pu se passer après la fin de la prise d'otage chez Sarif Industries.